Bonjour. Ensemble, nous allons découvrir pourquoi les infrastructures sont si importantes dans la lutte contre le réchauffement climatique. Mais avant de démarrer, un petit rappel s'impose. Attention à ne pas confondre météo et climat. La météorologie, c'est l'étude des phénomènes atmosphériques dans le but de prévoir quel temps il fera à court terme et à un endroit précis. Et la climatologie étudie ces mêmes données, mais sur un temps long en y intégrant d'autres variables comme le niveau de la mer par exemple. Les climatologues sont unanimes. La planète se réchauffe à cause des activités humaines et il faut à tout prix limiter ce phénomène. C'est pourquoi la France s'est engagée en signant l'accord de Paris en 2015 à limiter l'augmentation de la température moyenne mondiale à plus de 2 degrés par rapport au niveau pré-industriel d'ici 2100. D'après le GIEC, nous ne sommes pas sur la bonne trajectoire et risquons d'atteindre plus de 2 degrés en 2050. En France, en 2024, nous sommes déjà à plus 1,7 degré et le phénomène va s'intensifier. Il faut donc l'anticiper et s'adapter. C'est sur la base de ce scénario pessimiste que le ministère de la Transition écologique prépare sa stratégie d'adaptation. Car plus le climat se réchauffe, plus les aléas climatiques sont fréquents et intenses. Concrètement, on s'attend à plus de sécheresses, d'inondations, de feux de forêt, et ce, sur tout le territoire français. Projetons-nous un instant dans une France à plus 4 degrés. Lille aurait le même climat que Bilbao en Espagne. Le sud-est vivrait trois fois plus de jours sous risque d'incendie. La façade ouest subirait des submersions régulières, et les dromes de plus en plus de cyclones. Alors, bien sûr, 2100 peut sembler lointain, mais le système climatique est marqué par une telle inertie que ce sont les émissions d'aujourd'hui et des décennies à venir qui vont déterminer le climat à cet horizon et impacter la vie des enfants à naître aujourd'hui. D'où l'urgence à agir si on veut préserver l'avenir des générations futures. En effet, le changement climatique est ce qu'on appelle un risque systémique, car il affecte tous les domaines de la vie. Et ces conséquences s'auto-alimentent dans un cercle vicieux qui accélère le changement climatique. Il y a d'abord les conséquences sur l'ensemble du vivant, ce qu'on appelle la biodiversité. À plus 4 degrés, la moitié des espèces végétales et animales seraient menacées d'extinction. C'est autant de services écosystémiques de matières premières, des ressources pour notre alimentation ou la fabrication de médicaments perdus. La biodiversité est aussi un allié dans la lutte contre le réchauffement. En effet, les sols et les arbres absorbent le CO2 et rafraîchissent l'air ambiant. Viennent ensuite les conséquences sanitaires. La plus évidente, c'est la mortalité due à la chaleur et au manque d'eau, ou encore l'augmentation de la pollution atmosphérique. Mais il y a aussi des conséquences plus indirectes, comme la prolifération d'espèces exotiques et de maladies. Le changement climatique aura également des conséquences économiques majeures. Les aléas que nous évoquions vont perturber tout notre système de production. On s'attend par exemple à 1 milliard d'euros de pertes dans l'agriculture par an d'ici 2050 et à l'interruption fréquente des réseaux électriques avec toutes les conséquences qui s'en en matière de fermeture d'entreprise, de rupture d'approvisionnement ou encore d'impact sur les services hospitaliers ou les écoles. Enfin, la hausse des températures risque de renforcer les inégalités sociales. Ce sont les plus pauvres qui sont les plus vulnérables à cause de la précarité énergétique, par leur exposition aux polluants ou aux catastrophes naturelles. Au total, l'ADEME estime que les conséquences du réchauffement pourraient coûter 260 milliards d'euros par an à la France d'ici la fin du siècle, si aucune politique n'est mise en place. Le coût de l'inaction sera d'ailleurs supérieur à celui de l'adaptation. La Commission européenne estime par exemple que le PIB de l'UE pourrait se réduire d'environ 7% d'ici la fin du siècle. C'est pourquoi il est essentiel d'agir dès aujourd'hui. Nous allons le voir dans les prochaines vidéos. Les infrastructures sont un véritable levier. D'abord, d'atténuation du changement climatique, car l'usage des infrastructures représente la moitié de l'empreinte carbone de la France. Ce sont autant d'émissions de CO2 sur lesquelles il est possible d'agir. Les décideurs publics, en particulier au travers des compétences obligatoires des collectivités territoriales, ont un rôle clé à jouer dans la décarbonation des mobilités, du bâtiment et de l'énergie. L'Institut de l'économie pour le climat, I4CE, recommande d'ailleurs aux collectivités locales de doubler leurs investissements chaque année jusqu'en 2030 pour atteindre les objectifs de la stratégie nationale bas carbone. Les infrastructures sont aussi un levier d'adaptation au changement climatique, mais pour que l'adaptation soit réussie, il faut d'abord comprendre et anticiper les risques.